بسم الله الرحمن الرحيم. الدين النصيحة. تغير الوضع وصار غالب موالاة الناس ومعادتهم لأجل الدنيا، فمن كان عنده طمع بما طمع الدنيا ولاه، وإن كان عدوا لله ورسوله وللدين المسلمين. Aujourd'hui, les gens, leur alliance des avis sont basées que sur l'intérêt matériel, comme il dit. Donc aujourd'hui, si quelqu'un a, on va dire, à leurs yeux, un haut statut, un haut rang, c'est pas par sa piété, c'est par ses biens. Le riche pervers sera respecté et le pauvre pieux sera lésé. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَمَعٌ إن وطعم الدنيا عدوه. طيب عدوه. ولو كان وليا لله والرسول ولرسوله وعند أدنى السبب ضايقوه واحتقروه. نعم كما قلنا. وضايقوه واحتقروه. Celui qui n'a pas pour d'intérêt dans la dunya, ils le prennent en aversion, en ennemi, même si c'est quelqu'un qui a volé d'Allah Azza wa Jal. Et pour le moins de cause, ils lui font des problèmes et le méprisent. Ça, souvent, tu vois aujourd'hui dans les pays d'islam, à l'arrivée. Un frère, il vient avec sa famille, apparence sunnah, mustaqim, tout de suite, problème. Côté, interrogatoire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Sous zone, sur lui, tout de suite. Et le kafir, il vient avec son short court là et... habillé comme je ne sais pas quoi, s'il est habillé, et là, khlas, mukarram. Il est honoré, il est gratifié, tout. Pourquoi? Parce qu'il vient avec de l'argent. Il dit, le touriste, quand il vient, il rapporte de l'argent au pays. Donc surtout, ne les embêtez pas. L'américain, il vient, bienvenue. Le français, il vient, bienvenue. L'anglais, il vient, bienvenue. Pourquoi? Ce sont les koufars, ils ont de l'argent. Ah, mais le musulman, il vient, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi chez nous? Il dit, je veux l'islam. Il dit, l'islam chez toi, vas-y, retourne chez toi. On va pas de toi. Et tu fais refouler. Toi, tu viens pour Allah, il te refoule. Toi, tu viens pour la dunya, pour visiter le pays, pour mettre un peu de façade. Mais comme il a de l'argent, bienvenue. Les gros hôtels sont juste à côté et tu ne touches pas. Ils appliquent sur lui les règles du âme, de la sécurité, plus sur lui que sur le musulman. Demain, il y a un problème chez les musulmans, ça appelle si ton droit va être rendu. Et lui, tu le touches, waylak. Problème. Allah tol. Donc ça, c'est comme il dit. Pourquoi? Parce que on n'a rien apporté au monde un produit matériel. Celui qui aime en Allah et qui déteste en Allah et qui s'allie en Allah et qui se désavoue en Allah aura certes obtenu l'alliance à Allah par cela. Il sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَارَتْ عَمَّةُ مُؤَخَاتَ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يَجْدِي عَلَى أَهْلِي شَيْئًا. Il a dit, pourtant aujourd'hui les gens se fraternisent, ne s'unissent, voyez, la plupart des gens, on va dire, que pour les choses de la dunya. Ça ne leur apporte rien du tout. Mais au contraire, ça veut leur nuire. Comme dans ce hadith, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec les sahaba, il avait un homme passé. Allez, Mazakoulun Fihada, vous dites quoi sur celui-là? Il dit, c'est un homme parmi les Arabes. Un homme noble. Et si jamais il parle, on écoute. Et si jamais il veut se marier, on le marie. Quand il s'est vu intercéder, on accepte de lui. Après, il a dit, Mazakoulun Fihada. Deuxième. Ils ont dit, Ala Fakim Fukara al-Muslimin. Ils attaquent l'âme, la Yusmar. S'il parle, on n'écoute pas. C'est un pauvre parmi les musulmans. S'il parle, on n'écoute pas. S'il demande, on ne le donne pas. S'il intercède, on n'écoute pas. Et s'il veut se marier, on ne le marie pas. Il a dit, « Hada ahabbu ila Allah min mil'ad min hada. » Donc celui-ci, là, que vous avez jugé comme étant, c'est pas que Sahaba ne l'aimait pas, mais ils ont dit lui, pour les gens, ça va être comme ça avec lui. Ils n'ont pas dit qu'eux, ils allaient faire ça avec lui. Mais au sein des gens, les gens vont traiter comme ça. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que un seul comme lui, celui-là, est meilleur que tout interrompu quoi, du premier.
du premier. Et comme dans le hadith, سيأتي يوم القيامة الرجل السمين الجسيم. Voilà, يزيد